Pomou, de la commune Gopel, de Linsa, de Manda, de Tchangebouri, de Djuntu, de Lafou, de Corbe, de Paraon, de Palaya, de Sagalé et de Hérico, je voudrais dire à ces jeunes de se donner la main parce que le moment. Docteur Chéris a lutté, il a mené son combat pendant plusieurs années pour le développement de l'Edoma. Moi, je suis venu par après, lorsqu'on m'a demandé de former des jeunes musiciens de l'Edoma, je venais régulièrement. Et à chaque fois, on m'invitait à l'Edoma. Voilà la raison qui m'a poussé d'être là. Une autre raison, Moustapha, monsieur le maire, Moustapha Baldé, m'a toujours sollicité et à la Fédération Paysanne et à l'Edoma. Je fais partie des gens qui ont fait sa campagne lorsqu'il se présentait comme maire de l'Edoma. Donc, une fois de plus, j'ai composé une chanson, vous le savez. Je vais vous la chanter. Après, cette chanson qui parle de l'immigration. Et je ne veux plus jamais que nos jeunes quittent le pays. Donnons-nous la main, montons ensemble pour que notre pays se développe, pour que nos préfectures se développent. Merci. Donc, merci, merci Koto Rokta. Donc, en quelques mots, nous welcomons Artes Béal de Lobé. C'est des hommes de culture. Okay. Une société, c'est le nom, pas un citoyen de Bursa. Merci à vous. Vous avez M. Barry Ibrahim, maintenant originaire de Labé. Lui aussi, c'est un ami de Pas, c'est un ami de Campus. Nous avons Thierry Souleymane Thierry quelque part, avec qui j'ai fait le lycée, et il a été mon premier vice-maire, il est ici présent. Avec tous ceux qui m'accompagnent, je leur dis merci, je dis merci au public. Je voudrais ensemble que vous m'accompagniez pour dire merci à ces jeunes, à cette association, au réseau des associations pour le développement de l'élément. C'est une initiative salvatrice. C'est une initiative, je crois que l'élément, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous parlons le même mot. Nous avons la même orientation. Si c'est des jeunes qui font aujourd'hui cette fête culturelle, ils ont dit l'objectif, c'est de raffermir les liens de l'élément, les liens de la jeunesse de l'élément, envie de lutter pour l'éducation des enfants, envie de faire. Aujourd'hui, on dit que l'élément, c'est la plus grosse communauté en France. Les hommes de l'Edoma, nous sommes des immigrés par excellence. Et cela, ça ne nous fait pas de la fierté. Nous ne le disons pas par fierté. Les gens partent pourquoi? Les gens partent parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés chez nous. Et aujourd'hui, si c'est des jeunes qui se lèvent, qui se battent pour le développement de l'Edoma, je crois qu'on peut tirer le chapeau pour le rappel et leur dire merci, merci pour ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, on me signale que je devrais dire un grand courage. Je viendrai à ça. Je voudrais finir par dire à tous les jeunes de l'Edoma, des 11 communes, de la commune urbaine, de Linsa, de Manda, de Tchangebouri, de Djuntu, de Lafou, de Corbe, de Paraon, de Palaya, de Sagalé et de Hérico, je voudrais dire à ces jeunes de se donner la main, parce que l'Edoma, je sais que nous pouvons. Je peux dire que nous pouvons. J'espère que nous pouvons. Nous pouvons, j'espère. Donc on le fera. J'en suis certain qu'on le fera. Donc, cher public, je vous dis merci. Dans la langue du terroir, Mirinay Ndiarama. À côté de ça, je vais saluer une personne qui s'est déplacée spécialement de l'abbé pour ici.
C'est Coton Mouktar Paraya. Il est où? Coton Mouktar Paraya, il s'est déplacé spécialement de Nabé pour venir honorer les Loubans. Depuis le marché, s'il vous plaît. Et je veux vraiment qu'on applaudisse très très fort à Nabé Paraya. Un mot, monsieur le maire, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir à chacun. Je suis
Si vous aimez nos vidéos, soutenez-nous en cliquant sur la mention « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne à prod. Et attendez avec impatience nos prochaines vidéos.